Hello les amis, ici Cyberpangolin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un magnifique coucher de lune dans la version 0.4.12. Oui, c'est marqué 0.4.11 puisque les développeurs n'ont pas encore changé le numéro de la version. Mais en fait, c'est une compilation qui est basée sur la 0.4.12. Il y a peut-être un ou deux petits changements sur les commits. Et c'est une version custom, j'ai rajouté un petit élément. Voilà. Alors ça c'est l'ancien moyen de bouger, hein, gauche, droite. Et en fait j'ai pu rajouter le mode cinématique, comme ça, ce qui me permet de faire des mouvements beaucoup plus fluides. Alors j'espère que vous apprécierez la vue, j'espère que vous apprécierez aussi les petits bruits sympathiques de ma pauvre copine qui est toute malade. Ma foi, c'est des choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons, je pense, finir toute la partie toit qui est là. Et je vais regarder peut-être pour faire même les bâtiments qui vont avec. Parce que ça fait un bon petit moment que j'ai commencé ce premier étage. Et en fait, depuis que j'y suis arrivé, je n'ai plus fait grand-chose. Donc ça mérite un peu de boulot. Voilà. Donc ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Alors du coup, on va prendre tout ce qu'il faut comme fence pour... Pardon, tout ce qu'il faut prendre comme fence pour y faire monter tout ça. Et puis, je vais regarder si j'en ai encore dans ma mini-usine. Non, actuellement je n'en ai plus. Bah, si jamais, je reproduirai. J'ai encore un peu de bois, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut? Bon, pas grand-chose, hein. Je crois qu'on va y aller comme ça. On verra pour si par hasard j'en place une pas comme il faut. Alors, poser des fences, c'est bien sympa. Mais je suis pas sûr que ce soit un grand intérêt pour vous. Donc je pose tout et on se retrouve juste après. Et on se retrouve, je viens de mettre tous mes petits poteaux. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont un petit souci de taille, hein, comme on peut voir ici. C'est pas grave, je réglerai ça en temps voulu. J'ai reparamétré mon usine ici pour produire des planches qui deviennent des slabs, des dalles. Afin de pouvoir faire avancer tout ceci. Sauf que j'ai fait ça avec des planches standards, mais c'est du bois de la jungle, je me suis planté. Bon, alors on va vite changer ça. Alors, pour ça, tac, on va faire comme ceci. Donc, j'aimerais enlever ça. J'aimerais ici faire mettre un bois de la jungle. Tac, qui va venir. Voilà. Faire des planches qui partent ici. Et là, on va enlever ça, puisque c'est pas le bon bois. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ah, oui, une pressure plate. Oui, parce que c'était trop vite. Voilà, c'est bon. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon jungle wood ici. On va en mettre un stack pour commencer, pour voir. Je vais regarder si j'en ai encore. Je pense que je vais bientôt devoir redescendre pour en chercher. Ouais, alors je vais aller chercher mes coffres en bas. Comme ça, l'usine commence déjà à travailler pendant ce temps, il n'y a pas de souci, hein. Enfin, si ça décharge le chunk un petit moment, c'est pas grave, j'ai déjà une trentaine, rien que maintenant. Salut le Sound Monster, au revoir. Je ne fais que passer. C'est pas moi. Hé, j'ai dit c'est pas moi. Arrête de me taper dessus! Allez, courage, fuyons! Tiens, prends ça! Prends ça, sale bête! Alors, mon arc lui tire à travers. C'est intéressant, mais pas très efficace. L'arc est excellent pour la distance, pour le PvP aussi. Je sais pas, des fois les entités, c'est pas toujours parfait, on va dire. Mais c'est pas grave, on va survivre. Alors, du bois de la jungle. Est-ce que je dois en avoir encore dans un coffre? Ouh là là. Je suis pauvre. Alors, on va regarder juste au-dessus. Allez. Tac. Ici, non. Et là. Mon Dieu, quelle horreur. C'est la fin des haricots. Je sais que j'en ai encore pourtant de ce bois. Grave problème. Le pangolin n'a plus de bois de la jungle, je répète. Ah voilà.
Je savais que j'en avais encore un petit peu. Je le savais. Ensuite, je vais la regarder un peu plus loin. Je dois avoir d'autres coffres encore. Tant qu'à faire, autant en prendre un max parce que là, j'aurai jamais assez. Je dois encore avoir un coffre au pied de la tour, juste là-bas. Évidemment, c'est le pied opposé. Allez. Sachant que j'avais mis tout mon bois de la jungle là-dedans. Là, non, j'ai que de la dirt. Ouais. Qui sera pour JG. Ah, c'est un chest. Alors, JG, si tu me lis, tu pourras venir te servir. Non. Mes deux chests là sont vides. Ah. Bon, bah on va regarder dans ce qu'il y a là-bas. Ah bah ici, je viens d'en avoir. Non, je n'ai tout enlevé. Est-ce que j'ai un jungle sapling? Oui, mais c'est pas les bons arbres. Moi j'aime un jungle sapling. Ça c'est les tout grands. Et moi j'aimerais un arbre de la jungle de Mindtest par défaut. Ils sont beaucoup plus faciles à gérer en fait, à démonter. Oh. J'ai nouveau un sale bête, tiens, prends ça. Alors, là. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveautés sur les mobs ces jours, notamment les Sand Monsters qui apparaissent un peu moins souvent. Et il y a. Ah, ça c'est fait. Faut pas que je parle en même temps que je fasse quelque chose. Hein. Donc les Sand Monsters qui apparaissent un peu moins souvent, et on a d'autres choses avec les. D'autres monstres qui apparaissent différemment, on va dire. Bon, là c'est tout vide aussi. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu tout me vider. Après, c'est des chests qui sont pas locked, donc voilà. Je sais pas. Bon, bah vous savez quoi, je vais rechercher du bois. Et dès que je l'aurai trouvé, eh ben on va se retrouver. À tout de suite, les amis. Bon, alors, je suis de retour. Alors, je viens de fouiller tous les coffres qui sont tous absolument vides. Donc, on m'a pris tout mon bois de la jungle que j'avais. Sachant que c'est des coffres standards, donc pas des locked, donc c'est malheureusement autorisé. Je n'ai rien le droit de dire, même si je suis un petit peu énervé parce que c'est juste le concept de venir voler pour voler quoi. Bref, il y a B91B qui m'offre gentiment quelques stacks, il m'a dit qu'il me les donnait. En attendant, bon, on a quand même de quoi faire, hein, c'est pas non plus la, on n'est pas non plus en pénurie totale. Donc on va y aller avec ça quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma foi? Et puis ben quand je reprendrai, je me resterai en. J'aurai, ma foi, ben, je mettrai tout dans des coffres fermés avec impossibilité de prendre. Je trouve vraiment dommage d'en arriver là. Parce que ben pour quelques petits malins, j'ai d'autres mots qui me viennent en tête que petits malins, qui viennent et qui se servent juste pour se servir. Voilà. Alors, du coup, on va quand même aller faire de la pose de bloc. Hein. Tac. Mais c'est vrai que d'ailleurs, j'ai une petite vidéo qu'on a tournée avec MG il n'y a pas très très longtemps. Enfin, on a tourné quelques scènes en fait, que je vais faire gentiment en montant ça tranquillement dans mon petit coin. Quand elle sera prête, je vous la balance. Tant qu'elle n'est pas prête, bah évidemment. Eh ben vous l'aurez pas. Non. Qui rappelle un petit peu les règles qu'on a sur le serveur. Bah, c'est tellement basique au fond, c'est tellement simple de se comporter correctement avec les gens et de faire des choses super chouettes. D'ailleurs, les 9 dixièmes des gens qui jouent sur le serveur sont vraiment des gens super cool, super sympas. On rigole beaucoup, on se marre bien, on fait beaucoup de choses ensemble. Et voilà, il y en a toujours quelques-uns qui viennent et puis qui viennent pour troller, pour voler du matériel, pour casser les choses. Et ça, je trouve malheureusement extrêmement dommage. Mais bon, hein, on va vraiment pas se plaindre. Globalement, on a une ambiance de fou. Enfin, chaque fois que je viens sur le serveur, en général, j'ai des explosés de rire à plein de moments. Donc, aussi longtemps que ça restera comme ça, évidemment, le plaisir sera toujours là. Alors, tac. Voilà. Et puis, ben, quitte à me répéter, on va mettre juste ça. On va s'organiser un petit peu, voilà. Quitte à me répéter, ben, encore une fois, malheureusement, c'est notre game ma faute, puisque j'ai laissé un chest comme ça. Après, c'est quand même clairement du troll, hein. Je veux dire, on va pas se le cacher. C'est comme quelqu'un qui est venu chez. Quelqu'un qui est venu.
il y en a qui arrivent chez des gens et qui cassent tout sous prétexte qu'il n'y avait pas de protection. C'est casser pour casser, non merci quoi. Enfin, petit peu dommage. Bref, ah, le soleil se lève à nouveau. C'est déjà, en tout cas la deuxième fois dans cet épisode. Alors, tac, on va continuer à poser ça. Bon, alors je vais continuer tranquillement ma pose de bloc, hein. Je veux dire, il y en a encore pour un bon petit moment. Je vais essayer un truc. Non, ça ne marche pas, effectivement. Parce que si on en met deux l'un sur l'autre, on peut faire un. Si on met deux trucs comme ça l'un sur l'autre, ça fait un bloc plein. Mais ça marche pas si il y a un bloc au-dessus ou au-dessous. Enfin, par rapport à là où on veut poser. Tac. Voilà, bref, donc je vais finir tranquillement tout ça. Ah non, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Il y a Obani qui m'a fait des super trucs. Est-ce que je l'ai déjà dit? Non, je crois pas, hein. Une superbe intro en musique notamment. Il y a aussi quelques logos. Enfin, il m'avait fait le premier logo, j'étais pas très convaincu. Le deuxième est nettement mieux. Je vais voir ce que j'en fais, mais je pense que du coup, ben, il y aura très très bientôt une nouvelle intro pour la chaîne qui soit un peu plus classe, un peu plus badass, qui une intro qui en jette quoi. Parce que qu'actuellement, comme disait quelqu'un, ça fait un peu flotch, 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 flotch. Alors, tac, tac, tac. Alors, voilà. Bon, bref, les amis, alors je vous laisse pour l'instant et je vous reprends dans un petit moment quand j'aurai tout posé. À tout de suite. Et on se retrouve encore sur un lever de soleil. Décidément, je suis abonné au soleil aujourd'hui. On se lasse pas de ces nouvelles textures, hein. C'est magnifique. Nouveau soleil et j'ai mis un bout du toit. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, on va continuer gentiment. Par contre, faut juste que je regarde un truc. C'est que là-bas, si je suis bien ce que j'ai vu, ça fait 2 d'épais. Ah ouais, d'accord. Bon, il faut que j'ajoute plus une épaisseur ici. Alors, on va rajouter ça. Tac. Ah. Je pourrais presque grimper dessus, hein, ça irait plus vite. On va faire comme ça. Ça fait déjà un bon petit moment que j'y suis. Alors évidemment, pour vous, c'était instantané, hein. Alors ça, c'est pas nouveau. Ouais. Ok, ah, on va se mettre comme ça. On sneak. Sans mauvais jeu de mots. Tac. On est parti. Ah ouais. Ça va un tout petit peu plus vite quand même, hein. Tac. Ah, là, on va mettre le bloc qui manque. Là aussi. Ouais, on va tout mettre après les blocs qui manquent, ce sera plus rapide en fait. Là, le but, j'essaie vraiment de faire maintenant la construction la plus rapide possible, sachant que, ben voilà, on connaît le truc, on sait comment ça se passe, hein, donc. Alors là, on va mettre le bloc. Bon, on sait pas quoi, on va mettre tous les blocs tout de suite. Tac. Après, il y aura encore un bloc, une rangée de blocs de dalles sur l'extérieur. Mais ça sert à très vite, hein. Tac. Alors, boum, boum. Pourquoi il n'est pas mis? Voilà. Tu te places. Tu te places. Toi aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va les remettre. Il y a encore une couche qui va sur l'extérieur. Je vais contrôler que c'est bien ce que j'ai fait, mais normalement oui. Je devrais pas avoir de soucis là-dessus. Non. Pas là. Par contre, c'est ce qu'il y a là-bas au fond. Faut que je contrôle sur mes plans du coup. Ça fait un petit moment que je les ai pas regardés. Non, le toit ne dépasse pas d'après mon plan. Donc, si ça dépasse ici, c'est un bug. Ah, ça ne dépasse pas. C'est un bug de mes yeux, alors il faudra que je m'achète de nouvelles lunettes. Car oui, non seulement je suis un pangolin, mais un pangolin à lunettes. Voilà.
Parce que la vue est quand même vachement sympa, à condition de la mettre en chargement plein. Ouais. Ah, il y a une petite maisonnette là-bas qui a poussé. Ah bah c'est chouette. Bon. Bref. Alors je vais continuer ma construction et on se retrouve juste après. Hey, devinez quoi? Hey, on se retrouve. Hey. Oh, le soleil se lève. Ça devient une blague, hein. Non, là, il me restait à peu près 20 secondes. On parlait de film avec MG et Bani. Il me restait à peu près 20 secondes avant le lever du soleil, du coup j'ai attendu ces 20 secondes. Comme ça, bah, ça fera un épisode sur le soleil levant. Du coup, ben, je trouve que ça donne super bien. Comme ça, on a vraiment toute la promenade autour du premier étage qui est prête. Et puis, ben, évidemment, il restera encore donc 4 bâtiments sur les longueurs. Et ensuite, dans chaque coin, on a les piliers qui continuent, évidemment. Et il faut savoir que dans les piliers, il y a les ascenseurs. Alors, les ascenseurs, ce sera certainement notre prochain épisode. Je pense que ce sera le premier épisode en anglais aussi. Enfin, le premier épisode en anglais. Non, le second épisode en anglais. Du coup. Voilà. Et puis, sinon, petite info juste pour le fun. J'ai changé de. Enfin, je vais changer de logiciel de montage. Je vais tenter le montage de cet épisode avec Kid and Live au lieu de OpenShot. Tout simplement parce qu'OpenShot, je le trouvais un peu trop limité à certains égards. Très grand public, mais dès qu'on fait un montage sur des grandes bandes vidéo comme ça, il y avait des bugs qui commençaient à m'insupporter un petit peu. De même pour le rendu, puisque je devais à chaque fois faire un rendu en H264 à 60 mégabits seconde, ce qui est totalement monstrueux, qui faisait un fichier de plusieurs gigas, que je devais ensuite reconvertir en H264 super léger. Donc ça me prenait pas mal de temps. Donc j'espère du coup que ça me permettra d'avoir des temps de rendu un peu plus rapides. Voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode pour l'instant. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas. Oula, je constate que. Hey, c'est drôle, il y a un petit problème avec la synchronisation verticale, mais si je regarde. Enfin bon, c'est pas grave. Bref, donc ça va être tout pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, votre pouce de votre couleur préférée, etc. etc., etc. Ça fait toujours très plaisir, hein. Je vois que vous êtes souvent un petit peu plus nombreux, enfin oui comme je dis ça, enfin vous êtes plus nombreux à me regarder, je trouve ça super chouette, continuez les gens, je vous adore, et puis ben si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous aussi, à partager, etc. Et puis, bon, bah c'est tout pour l'instant quoi, alors voilà, à la prochaine pour de nouveaux ascenseurs.